le phoque au secours de son ami. Dans le Grand Nord, le printemps est enfin arrivé. Un pâle soleil réchauffe la banquise. En classe, Léo, le jeune phoque, a du mal à se concentrer. Il rêve de sortir et d'aller nager dans la mer avec ses amis. Juliette, la chouette, et Violette, la mouette, aussi sont dispersées. Elles n'arrêtent pas de papoter. Monsieur Romain, le pingouin, est très agacé. Mais voici un nouvel élève. C'est Arsène, un petit renne. Va t'asseoir à côté de Léo, dit Monsieur Romain. À la récré, Léo partage son goûter avec Arsène. Tu habites où ? Les yeux d'Arsène se remplissent de larmes quand il raconte son histoire. Il n'aurait jamais dû s'éloigner de son troupeau pour aller flâner sur la glace. Un bloc s'est détaché et il dériva loin, si loin de chez lui. Sur la banquise, les habitants se réunissent pour chercher une solution. « Il faut retrouver sa famille, » dit le papa de Léo, qui est aussi le maire du village. Fanny, l'ours blanche, connaît les courants marins et tous les troupeaux de rennes de l'autre côté du détroit, dit Monsieur Romain. Mais elle n'est pas encore sortie de son sommeil d'hiver. Léo supplie la maman de le laisser aider Arsène pour qu'il vive avec eux. Mais elle lui explique que c'est impossible. Un petit renne ne peut pas vivre dans l'eau avec des phoques. Pour ce soir seulement, ils ont le droit de dormir ensemble sous les étoiles. Le lendemain, c'est mercredi. Léo fait visiter sa banquise à Arsène. Il passe devant la tanière de Fanny qui dort toujours. Dès qu'elle se réveillera, elle t'aidera à rentrer chez toi, dit Léo. En attendant, viens, on va trouver quelqu'un pour t'héberger. Commençons par Juliette et Violette. Juliette, la mouette, et Violette, la chouette, sont en train de faire leur devoir. Elles préparent un exposé sur la toundra, la plaine herbeuse des régions polaires. Elles aimeraient bien aider Arsène, mais il ne peut pas vivre avec elles dans leur nid. « Je sais !» s'exclame Léo. Antoine, le loup blanc, vit en meute. Et une meute, c'est un peu comme un troupeau. Je suis sûre que sa famille pourra t'accueillir. « Ce n'est pas une bonne idée, » dit Antoine. « Dans ma meute, certains n'aiment pas trop les rennes. » Arsène ne peut pas vivre dans l'eau avec les licornes des mers. Il ne peut pas vivre ni au large avec les baleines à bosse, ni dans le ciel avec les goélands. Léo, Arsène et Antoine, découragés, attendent devant chez Fanny. Il faut vraiment qu'elle se réveille. « J'ai une idée, » dit Léo. « Juliette et Violette ont plein de livres sur la région. Venez, on va se débrouiller sans Fanny. » Ensemble, les enfants étudient les cartes. Il faut raconter à Arsène tout ce qu'il a vu en chemin. « Si je ne me trompe pas, » dit Juliette, « tu dois venir de là. » À la tombée du jour, le village s'est rassemblé pour dire au revoir à Arsène. « Attention à ne pas glisser !» Installé sur un iceberg, le petit renne s'apprête à rentrer chez lui. Toute la nuit, Léo, relayé par son papa, pousse le bloc de glace. Dans le ciel éclairé par une aurore boréale, Juliette ouvre la voie. À l'aube, ils arrivent enfin sur l'autre rive, là où a commencé la toundra. Prévenus par Violette, les parents d'Arsène l'attendent avec impatience.
À bientôt, dit Arsène. Maintenant, je connais le chemin. Je reviendrai vous voir.